Bonjour à tout le monde et bienvenue à TDH. Alors j'ai trouvé en fait un service où il y a plein de salles d'intervention. Bon là il y a plein de matériel qui a été démonté il n'y a pas très longtemps je pense. On va essayer de speeder, j'ai pas d'autre choix. En fait j'ai plus de batterie. Il me reste 13%. Donc là à l'état où je suis là, il y a plein de salles d'intervention. Donc là, ça c'était des chambres. Ouais, vous devez en avoir marre hein, à l'hôpital, mais moi cette partie-là, je l'ai jamais faite. En fait, on va aller jusqu'au bout. On va aller vraiment. Jusqu'à zéro. Je vais voir comment c'était les chambres là, les chiottes, enfin les toilettes, ouais c'est des toilettes comme partout ailleurs quoi, dans les hôpitaux. Voilà. Donc des chambres. Là où il y avait ils mettaient les médicaments, et ils pouvaient se faire aussi des petites pauses pour les infirmières et autres médecins. Là, une salle d'accueil avec le panneau, tu sais, genre interdiction de fumer, quoi. Sait-on jamais. Là. Donc là, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, j'ai déjà fait quelques parties, en fait. Beaucoup moins d'hôpitaux, mais là je suis tombé sur un service où vraiment c'est assez on va bientôt y arriver. Donc là, pareil, vous voyez, en fait, au plafond, les trucs comme ça, là, il devait certainement avoir de la radiologie ou quelque chose comme ça. Certainement un des appareils qu'on a vu là-bas qui était démonté. Je suis obligé de speeder, hein. Je prendrai bien tout mon temps, mais cette batterie... Donc là c'est pour te changer, pour les infirmières, là en fait elles voulaient changer, puis après soit tu arrives au travail, soit tu arrives au travail, soit tu repars. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc là c'est quoi, c'est des douches, pas trop feu, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Local protégé. Maintien à la porte fermée. Enfin, en permanence. Bon, de toute façon, il y a des trucs que je vais louper, ça c'est obligé. Faut pas que je mets. Enfin, alors attends. Donc là, ça va commencer. Donc, voilà. Ça, avec le mécanisme là, c'était une porte qui était automatique. Ça, c'était une salle en fait où il y avait du matériel au-dessus là, soit pour opérer, soit pour faire des radiographies, des échographies, enfin voilà l'appareil qu'il faut, l'appareillage qu'il faut. Après, tu continues. Là, ici, tac, là c'est la même chose, tu te lavais les mains là. Tac, hop là, salle d'opération juste ici, salle d'intervention. Voilà. Comme on a déjà vu quand j'étais à l'hôpital Saint-Jacques, ben, la même chose. Voilà. Donc, tac. Voilà.
Ensuite, t'en as une autre là. Bon, je la fais pas dans le bon sens, hein. Donc là, pareil, hein. Là, tu mettais les radios là pour savoir ce que la personne avait, ce que tu devais toucher. Voilà. Là, ensuite, j'allais dire plutôt, tu te lavais les mains et après tu opérais. Là, voilà, tu te lavais les mains avec les cellules qui sont juste là. 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 Oui, c'est bien ça. Veuillez mettre votre masque avant d'entrer dans la salle d'opération. Donc oui, c'est bien des salles d'intervention, des salles d'opération. Là, encore une autre. Voilà. Et c'est fou, hein, n'empêche, hein, parce que l'année dernière, au mois de mars, j'avais trouvé en fait des bâtiments en fait médicaux. Et c'est là que j'avais découvert plein de choses, j'avais fait des vidéos. Et là, en fait, je suis à un autre endroit et je viens de découvrir en fait un truc, mais en plus, un truc tout bête. Hein. J'ai vu sur une porte en fait quelque chose d'écrit, j'ai baissé la poignée et c'était ouvert. C'est pas ouf ça? Donc voilà. Salle d'intervention. Je pense pas que je pourrais sortir par ici. Non, c'était couru d'avance. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Porte coupe-feu. Alors, ça c'est des escaliers. Donc, ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a tous les gros panneaux électriques là. Enfin, tu t'en vois là. Là, ça c'est la porte par laquelle je pouvais pas sortir. Donc voilà. Ok, ok. Là, tu pouvais regarder à tout ce petit monde, hein, comment ça se passait. D'accord. Ça, je l'ai fait. Là, tu passais, je pense. Ah oui, là, tu passais en fait certainement des médicaments ou des trucs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a marqué en fait tenue en permanence fermée. Voilà, donc c'est ça. Local protégé. Ou c'est peut-être protégé pour pas qu'on vole les vêtements ou les affaires des... Et ben de ceux qui travaillent ici. Bon. On va en rester ici. Il faut que je regarde ma batterie où elle en est. Tardieu. Je sais pas pourquoi. Tardieu. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut.